Alors, on va faire un petit tour chez le Père Noël, chez le Santa Inn. Donc, on a 10 407. Alors, mise max 31,50. Super mise. Plus de chances de gagner les free games. Bon, 70 balles la mise. On va se prendre la version du jeu qui paye. Car des fois, c'est la version du jeu. Ben, je bouffe le bénéfice des précédentes parties. Bon, la free game d'entrée. Ça fait coup de chance. Manquer du win à la clé, alors 10 balles 50 sur plusieurs lignes. De toute façon, cette machine à sous, j'ai testé plusieurs fois, autant des fois elle paye que dalle. Plus ou moins similaire aux autres jeux. Est-ce qu'on arrive au x10 par rapport à la mise? Là pour le moment, pas grand chose. Ouais, 514. Heureusement, des paris au x10 par rapport à la mise. Trente-cinq balles sur plusieurs lignes. Allez, ça flash du big. 976, mieux que les free games. 11 464, hop, je vais enlever ça pendant un petit moment. Free game, peut-être. Oula! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, on va déjà voir ça. Ça nous fait 420. Et 27 free games, bah, voilà, d'entrée. Allez, j'espère qu'il va nous relancer des jolis wins sur ces parties bonus. Voilà quand même, de round de free game d'entrée en début de partie, sacrée chance. La chance du débutant. x9. Après ça, bien sûr, ça arrive pas toutes les parties de se taper les parties bonus d'entrée dès qu'on commence le jeu. Donc ça, c'est occasionnel. C'est clair que c'est pas tous les jours. Alors le compteur des wins 539, il nous reste 19 free games. Non, là le multiplicateur, pas de win. C'est vrai qu'il y a des petits wins, je sais même pas si on arrive à 1000 balles. Enfin, petit win, c'est quand même pas mal. Pas se plaindre. Il reste passer la dernière free game. 917 balles, bah 12 au 339.
sans déconner, ce sera un miracle si on les balance, faut pas rêver. Ça aurait été un peu trop généreux à mon goût. Sans déconner de bordel. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ben voilà, 24 free games encore. Non, j'ai même pas pris la super mise qui donne soi-disant plus de chances de gagner les free games, donc là c'est... Bon, par contre, très souvent après, avec ces jeux, après la chance et la malchance, donc je pense que là, après ce round de free game, ça arrête parti. Voilà, ça aurait fait un joli boost au niveau du solde. Voilà, parce que des fois, c'est bien beau de continuer le jeu, mais hop, ça rebouffe aussitôt ce que ça va me filer. Allez, 20 free games de restante, on est déjà à 532. Le tableau. Bon, ça c'est quand le générateur de symboles aléatoires s'enflamme, il sélectionne les symboles des parties bonus plusieurs fois de suite. Bon, ça arrive de temps en temps. Bon, après qu'à l'inverse, quand ça paye que dalle, ça fait pas semblant non plus. Alors, 12 800. Un petit Liguin, je serais pas contre. Non, enfin, faut pas trop en demander, le jeu il a quand même bien payé jusqu'à présent. Bon, bien sûr, le Liguin serait pas de refus, mais. Cette free game de restante. Win 400 balles. Et bon, on arrive au x40 par rapport à la mise, pas mal. Alors, un petit big win qu'on booste sur un chiffre 14, peut-être, on verra bien. Allez, 3 free games de restante. Eh ben, 1393 de win. Là, franchement, pas mal. Alors, on va faire un petit spin, puis arrêt de partie. Hop. Et voilà, joli boost. 13399. J'avais commencé à 11400. À 10400, pardon. Donc, ouais, quand même pas mal.